Mercredi 10 avril 2019, le Centre de formation des apprentis d'Angers et le Secours populaire organisaient conjointement un atelier pâtisserie peu ordinaire. 8 jeunes enfants, amenés par l'association humanitaire, étaient encadrés par des apprentis pour confectionner des gâteaux dans les cuisines du CFA. L'occasion pour ces enfants de s'initier aux joies de la pâtisserie, de découvrir de l'intérieur un beau métier et de lier connaissances avec des apprentis qui les ont guidés, comme de grandes sœurs et de grands frères. Une initiative aussi bénéfique pour les apprentis qui, sous l'œil vigilant de leurs enseignants, vont devenir à leur tour formateurs et vont pouvoir exercer leur sens de la responsabilité. On va tirer au sort une petite toque en papier et vous allez voir dessus, il y a un nom, c'est le nom du jeune avec qui vous serez. Allez, vas-y, démarre. On prend le hasard, peu importe. Laurie. C'est avec moi, je suis là. Ce sera avec allez. Laurie. Avec la fête en binôme. Il n'y a pas d'éléments de garniture précis. Il y a plein d'éléments de garniture au choix sur le tout réfrigéré. D'accord. Donc... Et en même temps, à quoi sert une recette? Tiens, si tu veux, tu peux essuyer partout. Tu peux monter dessus si tu veux. Tu seras plus haut. Attention, pas tomber. Ça pousse ta balance. Lève-le. Merde.
Attention, avec ton bras tu touches à 15 grammes. Des gâteaux et des pâtes. Okay.
qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme gâteau? Qu'est-ce que vous avez préparé? On a fait un cake au bébé de chocolat, à la noisette et à la mange confit. Et ça s'est bien passé? Oh bah oui, très bien passé. Il a tout écouté, il a très bien travaillé, il a bien lavé son tour. Il a été méthodique, donc c'était très bien. Et on va se régaler tout à l'heure ou pas? Oui, je pense. Et toi, tu es habitué à... Émilie, c'est ça? Oui, oui. Tu es habitué comme ça à être un peu de... encadrée dans oui, la cuisine? On a une apprentie en CAP dans mon entreprise. Et du coup, c'est vrai que ça permet déjà d'apprendre à gérer des personnes qui ont moins d'expérience que nous. Et du coup, c'est vrai que quand on a des petits comme ça, c'est vrai que ça nous rappelle un petit peu nos CAP donc, à leur début. Donc, bon, c'est vrai que ça change pas beaucoup. Mais c'est vrai que tant que la personne est motivée, qu'elle a envie de faire bien, comme il l'a fait, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez préparé comme gâteau aujourd'hui? On a préparé un gâteau avec de la pâte, du citron et de l'orange. C'est trop bon. Mais il n'est pas encore cuit, donc tu ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner à la fin. Tu es habitué à faire de la cuisine, toi, et à faire de la pâtisserie? Pas trop. C'est la première fois? C'est la troisième fois. D'accord. Est-ce que tu es content de ton apprenti? Oui. Hein, t'as bien travaillé. On a fait un beau gâteau. Hein. T'es pressé de manger et de goûter? Oui. Oh. On va pouvoir déguster après. Tu es habitué, Charlie, à encadrer comme ça des enfants ou des personnes pour faire de la pâtisserie? Moi, j'ai eu quelques fois des apprentis. J'avais eu deux apprentis et là, en ce moment, j'ai une personne que j'encadre pas forcément, mais elle est dans le laboratoire avec nous et on la suit. D'accord. Et tu es content donc de ton petit apprenti? Ah oui. Hein, t'as bien travaillé. Hein. C'était parfait. Qu'est-ce que tu as fait exactement pour faire le gâteau? Tu te rappelles les différents moments? Tu te rappelles pas? On a commencé par quoi? Par laver. Ah oui, on a lavé au début, après? Après, on a mis le saladier, on a ramolli le beurre. Ouais, après on a mis quoi dans le beurre? Super, allez, c'est parti. Ouais. Ensuite, après le sucre, on a mis les œufs, les trois œufs et le lait. Ouais, j'ai tout le monde là-bas. Après, on a mis la levure et la farine. Ouais. Et après, on a fait quoi? On l'a fait? Non, on a fait autre chose avant. Ah bah... Et la pâte, tu l'as mis dans quoi? Ah oui, la pâte, ah oui, on avait... Mis de la bombe, ouais, de la graisse. On a mis de la bombe pour... graisser le moule. Pour graisser le moule. Ensuite, on a mis de la pâte. Ouais, c'est bien. Et là, c'est au four maintenant. Ouais. Et après, on va... pas encore fini, on doit le déguster. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on a fait? Oui. C'était bien? T'as l'habitude de faire des gâteaux chez toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais d'habitude comme gâteau? À la fraise. Des gâteaux à la fraise? C'est bon les fraises. Hein. Aujourd'hui, on en a pas mis, mais qu'est-ce qu'on a mis dedans? De l'abricot. Des amandes? Des amandes. Des amandes et des cerises vertes? Ouais. On est pressé de les goûter, hein. Ça va être bon, tu crois? Oui. Ouais, t'es sûre? Ah non, je suis pressée de goûter, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait en plus? On a fait du... Nettoyage. Nettoyage. C'est important, hein, le nettoyage. Hein. Pour faire des bons gâteaux, faut que ce soit propre, hein. Est-ce que tu voudras commencer ça plus tard? Oui. Plus tard, qu'est-ce que tu voudras faire comme métier? Ouais, cuisinière. Hein. Bah oui, c'est bien. Hein. Comme ça, on mange plein de gâteaux, on mange plein de bonbons. Super. Tu es habitué à encadrer comme ça des petits, des apprentis, pas des autres apprentis? Des jeunes, non, pas forcément, mais c'est bien, c'est enrichissant pour notre métier. Ça nous apprend aussi à expliquer avec d'autres mots. C'est super enrichissant, c'est pratique d'avoir des jeunes comme ça qui veulent découvrir. C'est intéressant, ils aiment ça. Hein.
avez des petites paillettes. T'aimerais bien faire ce métier-là après? Non? Tu veux faire quoi comme métier toi? Architecte. Architecte? Wow. Et moi j'ai un ingénieur. En fait, y'a rien à dire. Ils sont bons? Mais c'est quoi? Ah, je suis sur moi, d'accord. Je peux bien pas travailler pour rien. Je peux pas travailler pour rien. Ça, c'est un peu bon pour nous. C'est sec, c'est pas sec. Il t'a bien piloté. C'est de sa faute, si c'est pas bon, c'est pas de sa faute. Tu peux insulter monsieur le Regarde. Chin. Italien. Ouais, c'est quoi la pâte à choux. Des choux garnis à la crème. Thank you.
la fin de l'atelier, la timidité des enfants a laissé place à de larges sourires. Tous sont fiers du gâteau qu'ils vont pouvoir rapporter à la maison. Oui, vraiment, bonne humeur, gourmandise et découverte étaient au programme de ce bel après-midi.